Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Cool Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de rebondir sur 3 matelas de chute différents sans toucher le sol. Donc pour réaliser ce défi, j'ai deux solutions. Soit vous venez ici à l'emplacement où je suis, donc au sanctuaire, sur la plage. Là, vous allez voir qu'il y a des matelas de chute. Donc ça, pour moi, c'est compris comme matelas de chute. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sauter sur ce matelas et ensuite vous sautez sur l'autre. Le deuxième et vous sautez sur le troisième. Donc quand vous aurez sauté sur les 3 matelas différents, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors si ça ne fonctionne pas avec ces matelas de chute, il faudra trouver les vrais matelas de chute qui sont disponibles depuis quelques jours, donc depuis 2 jours je pense, qui sont ceux-ci. Donc les matelas comme ça, vous allez pouvoir les trouver partout sur la map de Fortnite posés au sol et vous allez pouvoir aussi les trouver dans des coffres. Donc quand vous avez trouvé des matelas de chute, ce que vous allez devoir faire, c'est de rebondir sur 3 matelas différents. Donc soit vous placez un matelas comme ça, un matelas ici et un autre matelas là et vous rebondissez dessus. Ou tout simplement vous allez sauter en regardant le sol. Donc vous sautez une fois, vous appuyez sur X, ensuite vous réappuyez sur X, ensuite vous réappuyez sur X. Et voilà, là j'ai sauté sur 3 matelas différents. Parce que regardez, et ça s'est placé en hauteur. Si vraiment ça ne fonctionne pas quand vous les placez en hauteur, ben... Attendez. Ben là, si ça ne fonctionne pas quand vous les placez en hauteur, l'un sur l'autre, ben vous les placez, donc vous sautez, vous mettez un matelas, vous allez un peu plus à gauche, vous mettez un autre matelas, vous allez un peu plus à gauche et vous remettez un autre matelas. Donc voilà, vous dispersez un peu les matelas pour pouvoir sauter sur les 3 d'un coup. Mais sans toucher le sol, hein, très important, il faut sauter sur les 3 matelas différents, 3 matelas différents sans toucher le sol. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que le défi fonctionnera avec ces matelas-là. Donc là, regardez, je saute, hop, je touche pas le sol, je vais sur le deuxième, je touche pas le sol, et je vais sur le troisième, et je touche pas le sol. Comme ça, je termine le défi et je débloque les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapinMec et ciao. Peace.